Bon, enfin, on est à l'ours. On est rendu le 2 juin. Jeudi le 2 juin. On est au bait. J'ai pas été voir encore. La dernière fois qu'on est allé, c'était avec vous, le 23 mai. Là, on y retourne, puis j'amène rien. Je veux juste qu'on aille voir ensemble ce qui reste, ce qui s'est passé là-bas. Fait que, Élie, tu me suis, puis on y va. Il en reste un peu dedans. Puis regardez les, ben, regarde les traces d'ours, tu les vois bien, là, tu vois les griffes. C'est plein de traces d'ours. C'était plein de feuilles partout ici, là, c'est tout ça à terre. Puis il en reste un peu dans le baril, c'est ce que je voulais. Fait que là, je vais l'ouvrir tout de suite. On va aller chercher mes pinces pour l'ouvrir. Après ça, on va tout emmener le stock, puis on va refaire le baril avec vous autres. Puis à la fin de la vidéo, on va vous montrer les photos qu'il y a eu au cours de la dernière semaine. Oh non, c'est parfait, ça. C'est parfait, mais il en reste. Non, il en reste plein, là. C'est super. Ça veut dire qu'ils ont de la misère. C'est peut-être pas bon, là. Je sais pas si c'est bon. Ben, avoir les traces par terre, c'est quand même bon. Ouais, bon, les traces, c'est bon, mais ils ont clairement de la difficulté. On va laisser durer le plaisir. Mais c'est pour ça, il reste... Hey, ça fait une semaine. C'est sûr qu'on a starté le bait. Voilà une semaine et demie, à peu près. Là. Fait que c'est pas comme si on était en plein milieu de la saison. Là. Probablement que ça va se vider plus vite, mais quand même, il reste du stock. C'est ce que je voulais. Là, je vais essayer de lever ça. C'est ça. Okay. Bon, mais regarde, là. C'est sûr que ça a pogné en mouton. Il y a de la mouche, c'est pas croyable, hein? Ah, là, je suis content. J'ai hâte de voir les photos. On a 800, comment j'ai dit, 890? Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. OK, bon, là, on va mettre du stock dessus le baril. Mes gâteries sont dedans. Mes pâtisseries. Du pain aussi, là. J'ai beaucoup de pain là-dedans. Tout ce que vous pouvez trouver, mettez ça dans votre baril. Quand je dis de mettre un peu n'importe quoi, là, ça c'est sucré, miel et beurre de peanut, il est passé date. C'est un restant qu'on avait, fait que je vais mettre ça par-dessus ici. Checkez bien ces photos, là, l'ours mec qui arrive ici, la première affaire qu'il fait, c'est sûr, il liche ce que je viens de mettre. Bon, les batteries flashent un peu, mais... C'était deux photos, moi j'ai mis deux photos aux 3 minutes. Puis on a 890 photos. Fait que c'est quand même, c'est pas si mal. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Là. Restez avec nous autres, on va toutes vous montrer les photos dans quelques minutes. J'ai pas vu de femelle encore, puis ça me dérange. C'est-à-dire que les autres, ils passent le temps à voyager, cherchent des femelles. Si t'as une femelle, il va venir la visiter. Si t'as pas de femelle, je le dis, puis je leur ai dit, c'est moins bon. Faudrait vraiment qu'il y ait une femelle qui arrive là, dans les prochains mois. Et lui, il garde, il est haut sur patte, là. Tu le regardes de même, là. Ah! Hey! Oh yeah! Oh! Oh my fudging god! Attends là! As-tu vu King Kong? Ça c'est oreille coupée. Mesdames et messieurs, je vous présente oreille coupée. J'ai juste vu une photo, regarde ça. La bédaine touche quasiment en terre. Puis imaginez la hauteur sur patte. C'est un monstre, mais je vous dis un monstre, c'est 300... Moi je dis 350 livres, tout rentre. Ok, attention. Il est en avant. Il est avec un autre ours. C'est-tu une femelle? Ça se peut-tu? C'est une petite femelle qui est avec lui. Oh, regardez l'ours. Oh my god, on s'en va chasser à ce soir. On n'a pas le choix, on change les plans, on se dépêche, on s'en va chasser. Oh my god! Oh holy fucking my god! Alors, regarde-moi, je vous le jure, regarde-moi là. C'est rare que vous allez me voir comme ça, mais c'est parce que ça fait des années qu'on veut cet ours-là, puis là, il est là, là. J'avais une fenêtre, voilà 2 ans, j'ai eu une fenêtre au début comme ça. Élie, on pack le Tristan, on fly là-bas pour on chasse. Hier, on est venu installer le Tristan, puis l'ours était là. Mais écoutez, j'avais pas le choix. J'étais arrivé vers 3h et quelques, puis à 3h17, il était ici. Fait que le temps que moi et mon père, on marche avec le Tristan, qu'on installe tout ça, ben qu'on s'en vienne ici, on les a tassés. Puis moi, je me suis installé vers 4h30, je bougeais plus. Le Tristan était tout installé. Ils ont pas ressorti. Mais ce matin, à 5h20 jusqu'à 6h, le gros avec la femelle encore, j'en reviens pas. Là, je vous le jure, là, je suis vraiment genre sur les nerfs. Là. J'en reviens pas. Il est tellement gros. Il m'a donné des chances. J'ai pas le choix d'être ici tout le temps, soir et matin. Si je le pogne pas à soir, demain matin, je suis là. J'ai pas le choix, je peux pas lâcher, faut que je sois ici tout le temps.
Fait que bref, j'ai regardé les photos, c'est ce que je voulais vous dire. Là, je parle plus. Puis on se croise les doigts. Faut qu'ils viennent asseoir. À matin, ils ont goûté, au moins, ils ont pu goûter au stock un peu. Fait que j'ai bien confiance. Il y a du tonnerre. J'espère qu'il pleuvra pas. Avec les caméras pis tout. Ah. Hey, c'est pas le temps. Tabarnak de calice. C'est une douche. Je prends une douche. Oh my god. Aucune chance que je tue mon ours là, là. Tabarnak de calice. Presque 9h. Un matin, j'ai vu un petit mâle. C'est longues oreilles, c'est comme ça que je l'appelle. Il est arrivé de la même place que les deux d'hier, parce que c'est ça. Hier soir, j'ai pas eu le temps de vous parler. Écoutez, il était rendu 9h moins 5. J'allais débarquer de mon arbre. Puis j'ai entendu paf, une méchante branche qui a pété. Je me suis tourné, je vous mens pas, le gros. Le magané, encore là, ceux qui savent pas, c'est un ours que je surnomme comme ça depuis des années. C'est la première fois que je le vois en visuel, puis c'est un fantôme. Il est presque jamais au bait que je fais. Là, je l'ai fait une couple de jours, puis il était là, juste là en arrière. Ah, il était à 12 mètres, pas plus. À cause de l'angle, ça c'est un trou, c'est en arrière. Bon, là, j'y vais, je dérange pas plus le secteur. Hey, j'ai frette. Je tremble, ben, je suis pas tremble, mais je suis bien de bord en bord, puis il fait à peu près 11, 12, pas plus. C'est pas chaud. Ouais. Depuis 4h15 que j'étais assis dans le stand ici. Ouais, fait qu'avant de me faire mouiller plus, là, j'y vais. Ouais. Mais j'ai une belle bête, en tout cas, je l'ai vu hier, vite, vite, là. J'ai vu l'oreille coupée, j'ai vu sa tête. Il avait le nez dans les airs, c'est en bas. Puis il est reparti, dans le fond, il y a une swamp en bas, là. Puis il a longé la swamp, comme ça. Quatrième et dernier produit du kit de l'ensemble North Scent, le cache-odeur à odeur de sapin. Donc, sapin qui vient matcher le gel douche au sapin. Ça, c'est un produit qu'on va utiliser vraiment en situation de chasse. C'est quelque chose qui fit bien dans une poche, dans un sac à dos, par exemple. Vous êtes dans votre tristène, votre sac est accroché après l'arbre, on peut le suspendre juste dans une petite pochette, puis on est prêt à le prendre n'importe quand. C'est un produit qui est non huileux, fait qu'ayez pas peur aussi vos vêtements. Puis c'est ça, ça sent vraiment bon. Il y en a des fois des cache-odeurs, vous le savez, on trouve que ça sent peut-être un peu trop fort. Celui-là, il est bien dosé. On l'a travaillé vraiment fort, moi et Elisabelle, à concevoir des produits qui sentent pas le parfum, mais qui sentent la forêt. Jour 3.
troisième journée de chasse à l'ours. En fait, là, il y a des jours que j'ai pas chassé avant, fait que c'est vraiment les jours de chasse que j'ai chassé. Fait que jour 3. Je suis venu ce matin, fait que c'est ma quatrième séance d'affût. Il y a eu de la grêle tantôt. Je partais, je m'en allais. Puis j'ai dit, ah, je vais attendre un peu que les nuages passent. Puis il s'est mis à grêler en malade. Pendant au moins 15 minutes, une maudite chance que je ne suis pas parti de chez nous. Fait que là, juste après, je suis parti. Puis regardez, là, il fait beau. Puis ici, je pense pas qu'il y a grêlé. Ici, c'est sec. Il n'y a pas eu de pluie. Chez nous, il y a eu au moins... Hey, il y a eu de la pluie. Hein? Ça tombe. Pardon. Ça a tombé en tabarouette. Fait qu'en espérant que j'avais pas poussé un ours en arrivant à 6 heures, j'avais pas le choix, sinon je me faisais prendre par le déluge. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu plus tard. Mais j'ai confiance quand même. J'ai toujours confiance, même si j'ai moins confiance. Parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas manger à leur faim. Puis ça, ça les bloque un peu. Puis le fait que je les ai poussés aussi, peut-être 2 fois, mettons, comme j'ai dit. Exactement, je les ai poussés une fois avec mon père en venant mettre le stand. Puis le soir que j'ai chassé à 9h-5, ils sont arrivés en arrière. Ben là, j'ai les ai tassés. Ils sont pas revenus cette nuit, finalement. Fait que ça fait 2 fois. On se croise les doigts, je parle plus. C'est une soirée très calme. C'est une belle soirée de chasse, en fait. Oh my god! Je l'ai pas eu dans la caméra. Je m'en fous. Je l'ai eu là-dedans, je m'en fous. Oh my god! Oh my god, yes, sir! Oh my god, on voit la shot. Un ours de 300 livres, je sais pas. Merci la vie. Je l'ai dit souvent, merci la vie, mais là, c'est vrai. Oh my God! J'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai aucun mot. Je suis juste bouche bée. Il était à
10 mètres. Ah, c'est un bœuf. C'est un esprit de bœuf. Ça se peut pas, c'est un monstre. C'est l'ours que je cherche depuis des années. Il est 7 heures. Les images. Merci la vie de m'avoir permis d'avoir la shot avec la caméra aussi, là. Le focus, écoutez, on fait des films à l'arc. Vous voyez l'arc, là? Puis dans un arbre, il y a 2-3 caméras, puis là, ben écoutez, ça se passe comme ça se passe des fois. Puis là, ce qui est arrivé, ben il y a eu le premier mort, Longues Oreilles, que je vous ai parlé juste avant. Fait que Longues Oreilles est venu au baril, mais vraiment craintif, puis je me demandais pourquoi, mais vraiment, là. J'étais genre, aïe, aïe, il me sent donc bien. Puis mon vent est comme ça. Fait que toutes mes ours pouvaient pas me sentir. Depuis tantôt, le vent est comme ça, les nuages, ça passe comme ça. Regardez, il y a encore des nuages gris qui s'en viennent, ça a tonné tantôt. J'espérais qu'il n'y ait pas d'orage. J'étais là, tabarouette, tu me niaises-tu? Pas un orage encore comme hier. Parce qu'hier, Dieu sait que je m'ai fait poigner dans le déluge. Tout d'un coup, j'ai entendu des branches casser. Bon, lui, il est parti. Fait que c'est pas normal. Normalement, un ours, quand il s'en va puis qu'il entend des branches casser, c'est parce qu'il sait, lui, que c'est un autre ours ou. Mettons, ça pourrait être un être humain, mais là, dans ce cas-là, c'était un ours. Fait que là, je vois un ours arriver de ce côté-là. Encore, ben, en fait, l'ours est descendu dans le trou en bas ici. Puis l'autre ours est arrivé dans l'arrière. J'ai repris l'arc encore, j'ai dit, ça y est. Je vous le jure, j'étais vraiment prêt, mais vraiment, là. J'ai mis la caméra là, je l'ai arrêté là. Je vous le jure, je croyais d'avoir la caméra dans le trou là. Puis je me dis, garde, je l'aurai pas sa caméra, mais fuck, là, j'ai la GoPro, comme je viens juste de dire. J'ai tiré mon arc, tout est beau. Il a fait une belle pose, pancarte, clouc. La seule chose que j'ai peur, la flèche est bien rentrée, mais la flèche est assez haute. Mais la flèche est vraiment en arrière de la patte. Écoute, je l'ai tellement, c'est un air, c'est malade. Je l'ai vu rentrer, elle est en arrière de la patte, la flèche est dedans, pas passé bord en bord. Malade, c'est malade. Écoutez-moi, ma chasse à l'ours est faite pour des années. C'est un trophée, cet ours-là. La tête va être sur le mur, ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le jurer. Puis là, je peux dire que j'ai un ours. En tout cas, il n'est pas trouvé et tout, mais bon, c'est un ours de 300 livres et plus. Mais c'était une soirée pour ça. C'était vraiment une soirée pour ça. Il est sorti où c'était clair. Le point où c'était clair, il est sorti de là, puis il s'est envenu de même. Puis là, pas longtemps avant, il y a un autre ours qui est venu, puis lui, il a pas rentré au bait. Fait que là, j'ai dit, c'est lui, si, pour juste passer, puis plus jamais revenir, s'il mange une flèche, drette là. Puis je vous le jure, il est arrivé ici. Moi, j'étais déjà étiré, il a arrêté de même. Puis là, il est parti comme une boule, mais la flèche, elle restait dedans. Mais à 10 mètres, la flèche n'a pas le temps de prendre la puissance autant qu'à une longue shot. Qu'est-ce que c'est 10 mètres, là? Ouais, je serais curieux, là. Ouais, proche. 10 mètres, pas plus, hein? Fait que là, on va retourner, on avait du sang en haut. Moi, quand je suis parti, j'ai pas fait une ni deux, j'ai juste descendu, mais j'ai juste regardé si je voyais du sang, puis il y en a. Fait que, on va remonter, puis on va aller... Ah, puis ton chose, il est là. Ouais, mon baril est juste là. Si Juno, c'était clair par là. Là, ça a l'air du sang. Ça, c'est la flèche. Ah, ici, le passé, là. C'est sûr que pour... Ouais, ça finit, c'est embêtant, mais il y a de l'air, on va pas faire ça. Il y a plein de petits feuillets. Là, je suis pas sûr que c'est. Yes, sir! Yes, sir, il est là! Il est mort, là, s'il est mort. Yes, il est là! Il est pesant. C'est de l'avoir le plus possible, là. Faites juste regarder la tête, c'est inimaginable. Enfin, mon gros nounours. Mais vraiment, là. Puis le poil, il est beau, c'est sûr que je vais faire la tête. Le cou, là, ça se peut pas. C'est pas compliqué, parce que tu fais 200, là. Oui, 205. Oui, c'est sûr que c'est 200. Les genoux en compote, de le tenir de même ici. C'est la plus juste en haut, ça. Hey! Pour moi, il y a des boulets. Tu te bats pas? Ah oui, il y a des boulets. Ouais, tout ça. Ben, j'ai entendu crac, 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 crac. Fait que dans le fond, là, pas crier. Il a pas crié. Moi, je suis pas loin. Le bâton dans le stand m'a crié. Tu vas m'entendre, ouais, là. Ouais, ouais. Fait que moi, je vous le dis, cet ours-là, j'ai tiré. Et bien, il est venu ici. Il a pas lâché de cri de mort. Il a crevé sur le coup. Tu vois-tu la patte qu'il me faut? Mm-hmm. Comment il griffe? Ça se peut pas. Il y a un coup de griffe de ça, puis tu... il t'en reste pas long.
Là, on a fini par sortir ça du bois. J'ai pris mes millions de photos. Là, l'ours il est là. La balance à Nico est là, ben, à son chum. Fait qu'on va... C'est une balance numérique, on paye ça. On avait dit 322, 285, 290, ouais. 309, 305. Fait que, à voir. Fait que, live, tu filmes live. Accompagne-moi. Ouais. 343 livres. Pose la patte, là. Quoi? Quand elle est là, là. Pourquoi? Quand c'est une petite patte, ouais, hein? Tout à l'heure, mais ça, on ne la voyait pas de même. Non, hein? Le jour se lève. Le jour se lève, un très gros ours que je viens de tuer à l'arc à 10 mètres. J'en reviens pas. À l'arc,